Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien et j'espère également que cette introduction de cette vidéo setup vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et bien vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous présenter le matériel high-tech que je possède, notamment le matériel high-tech que j'utilise pour faire mes vidéos. Et bien les amis, on commence avec la partie vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise trois caméras, notamment le 700D, qui est un réflexe de chez Canon avec l'objectif de base 1855. Donc c'est un reflex qui coûte pas trop cher, qui coûte autour des 500 euros, on a un bon, un bon rapport qualité-prix. Euh, bien sûr, j'ai l'intention de changer pour pouvoir euh, vous proposer encore une meilleure qualité vidéo. Pour l'instant, ça va, mais je souhaite quand même améliorer tout ça. Après, j'ai une deuxième caméra, une Canon Legria Mini X, euh, que j'utilise notamment pour les vidéos que je fais dehors, puisqu'on a une bonne autonomie, on a une bonne qualité de son et euh, ce qui est bien c'est qu'elle est petite et en plus de cela on a un grand objectif ce qui permet d'avoir un... de, de, de filmer un maximum d'infos et donc pour les vidéos qui sont faites dehors, ben c'est pas mal du tout après là je viens de recevoir une nouvelle caméra que je vais utiliser pour des futurs projets, c'est une caméra 360° Ricoh Theta S que je vous ai testé dernièrement, c'est mon petit joujou et euh, pour l'instant je sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire avec mais je sais que je vais l'utiliser plus tard, il faut juste que je réfléchis sur les projets que j'ai l'intention de faire avec le trépied que j'utilise c'est le Manfrotto B-Free, un petit trépied vraiment super cool qui est super léger que vous pouvez transporter vraiment assez facilement et j'ai changé juste la rotule qui était au-dessus du trépied je l'ai changé avec une rotule un petit peu plus sophistiquée qui me permet notamment de faire des effets un petit peu sympas quelquefois lorsque je prends en vidéo certains produits après ce qu'il faut savoir c'est que j'ai l'intention d'acheter un trépied un petit peu plus euh, imposant avec une meilleure rotule pour pouvoir faire vraiment des effets Effets vraiment bien fluide et, et vraiment euh, fort sympathique à voir. On passe ensuite à la partie son et ce qu'il faut savoir c'est que j'utilise deux micros. Celui que j'utilise là pour faire les vidéos, on me voit, et bien c'est le zoom H1 qui est fixé au-dessus de mon réflexe avec le petit système que j'ai acheté. Et la qualité de son est largement meilleure que celle euh, du réflexe. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que le son et enregistré en dehors de la vidéo, c'est-à-dire que quand je fais mon montage, eh bien je dois bien ranger, bien positionner la piste audio avec la vidéo. Après, j'ai un autre micro que j'utilise notamment pour les voix-off, donc les vidéos où on ne me voit pas. Et ça, c'est le Yeti Blue qui est connecté directement à mon Mac avec un système USB. Et franchement, je trouve que la qualité de son est très convenable. Les smartphones que je possède chez moi, eh bien, ça a un petit peu changé par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur ce sujet. Eh bien, j'ai un Oppo R7. J'ai un iPhone 6S, un Galaxy S6 Edge, un Nexus 5 ainsi qu'un Huawei P8. Pour les ordinateurs, j'ai un iMac 27 pouces fin 2012 que j'ai changé l'année prochaine pour prendre un écran 5K et pour que l'ordinateur soit un petit peu plus performant pour les montages. Alors justement, j'utilise cet iMac pour faire mes montages vidéo avec le logiciel Final Cut Pro X et je fais mes miniatures avec le logiciel Photoshop. J'ai un ordinateur portable qui est un MacBook Air 13 pouces de fin 2013, non milieu 2013. Un MacBook Air que j'aime beaucoup puisque voilà c'est un ordinateur portable léger qui est fin et qui est rapide et que j'utilise quelques fois pour faire certains montages vidéo avec Final Cut. Et oui, on peut faire du montage vidéo avec Final Cut sur un MacBook Air. Ensuite, j'ai une tour, une tour que j'avais utilisée notamment pour faire ma vidéo à Kintosh. Donc la Kintosh, c'est quoi C'est installer le système Mac sur une tour PC donc au final l'objectif c'est de payer moins cher euh, son Mac mais après c'est quelque chose d'assez compliqué euh, donc au début je voulais faire vraiment un big à Kintosh, mais au final bah, je vais plutôt m'acheter un nouvel iMac et pour la Kintosh que j'ai donc euh, là je vais l'utiliser pour mettre Windows dessus ah aussi j'allais l'oublier j'utilise avec l'iMac un disque dur 3 Tera de chez euh, Toshiba donc ça me permet de stocker un maximum de vidéos l'éclairage c'est super important pour faire des belles vidéos et justement Là, moi j'utilise pour faire les vidéos ici euh, deux softbox avec à l'intérieur quatre ampoules, ce qui est beaucoup puisque euh, c'est des ampoules de plus de 120 watts, ça consomme beaucoup et c'est aussi euh, ça chauffe donc euh, j'utilise ces lumières ici, mais après pour les lumières euh, au niveau de mon bureau c'est des petites lampes un peu plus classiques mais qui restent quand même de la lumière blanche et après d'autres types de lampes que j'utilise mais c'est vraiment pour une utilisation personnelle c'est les lampes connectées de chez Easy Bulb que je vous avais présenté aussi dernièrement et en fait c'est des lampes que je connais que je connecte avec mon smartphone et que je peux contrôler avec mon smartphone je peux changer la luminosité changer de couleur les éteindre les allumer et franchement c'est super utile je possède un écran 4K 27 pouces de chez Dell avec la référence P20 27,15Q. De toute façon, toutes les références des produits que je vous présente sont dans la description. Et j'utilise cet écran notamment pour jouer avec la PlayStation 4. Oui, j'ai une PlayStation 4, la version collector Star Wars. J'ai une manette collector Star Wars. J'ai une manette aussi PS4 en or. Et j'ai plusieurs jeux. J'ai GTA V. J'ai Call of Duty Black Ops 3, le dernier Assassin's. J'ai G Stars. Et j'ai aussi le Star Wars Battlefront. Autre console, ben, j'ai une console portable, la New Nintendo 3DS XL Edition Collector Zelda. J'ai surtout des jeux Zelda, mais j'ai aussi quelques jeux Mario. Pourquoi Parce que je suis notamment un fan de Zelda. Après, j'ai quoi d'autre J'ai la Nvidia Shield TV, qui est une Android TV qui est capable de diffuser du 4K et qui est capable aussi de streamer en 1080p sur des jeux tout simplement avec 60 images par seconde ce qui est pas mal du tout mais depuis que j'ai la PlayStation 4 eh bien je n'utilise plus cet de TV et on finit cette vidéo avec la présentation de deux objets je possède une enceinte waterproof l'énergie music box aquatique euh, qui est petite vous pouvez transporter partout et qui est donc résistante à l'eau qui propose une bonne qualité de son une bonne autonomie et ensuite j'ai une tour de son l'énergie tower 8 qui envoie aussi du, du lourd un petit peu plus que la petite enceinte vu la taille du machin et que j'utilise quand même assez rarement et bien les amis j'espère que cette vidéo setup vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut